Gaël, aujourd'hui, il y a de fortes présomptions d'échapper de Romain Bardet et aussi des rumeurs selon lesquelles vous avez envie de vous échapper tous les deux ensemble après les belles années passées ensemble. Ouais, ça serait chouette. Bon, l'échappée va pas être simple à prendre. Il y a beaucoup de prétendants aujourd'hui. On sait que Quick-Step veut laisser le maillot ou du moins une échappée se développer. Donc, voilà, il faudra être fort dès le début d'étape pour prendre la bonne échappée et ensuite viser la victoire au sommet d'une très belle ascension aussi. Idéalement, quel type d'échappée? Combien de coureurs? Idéalement, une échappée qui se développe avec une majorité de rouleurs, moi le seul grimpeur dedans, peut-être avec Romain. Voilà, l'idéal, ce serait peut-être ça. Mais non, voilà, après, il y a des chances que le parcours, il est vraiment escarpé en début d'étape. Donc, il va y avoir des beaux seconds couteaux, comme on dit. Donc, des bons coureurs qui viseront la victoire d'étape aujourd'hui. Et dans le cas d'un duel avec Romain, comment le battre? Ah, c'est une question étrange, ça. Je sais pas si vous lui avez demandé déjà, mais... Franchement, j'y ai pas pensé. Ce serait évidemment chouette. J'ai vu quelques mots sur les réseaux sociaux qui trouveraient ça chouette de nous trouver tous les deux en échappée. Mais voilà, il y a déjà une victoire d'étape à aller chercher, une échappée à prendre aussi. Donc, je suis vraiment concentré sur l'étape du jour. Et après, on passera à un week-end difficile derrière où l'échappée aura de bonnes chances de disputer la victoire aussi.